Alors, bien bonsoir. Merci pour l'accueil et la présentation. On a bien résumé l'essence quand même. Je suis rattachée à l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, pour ceux qui ne connaissent pas où c'est possible. Nous sommes à 1h30 au sud-est de Montréal. Nous sommes tout près de la frontière américaine avec le Vermont. Alors, dans les villes connues au Vermont sont moins connues, mais enfin, c'est un État avec des belles montagnes, comme par chez nous, mais certainement beaucoup plus petites que les Alpes suisses, certainement. Donc, je suis très contente de vous partager le fruit d'un travail sur un cadre qui s'appelle « Vivez bien votre vie ». Je vais prendre un petit moment pour vous situer ce qu'on fait en promotion de la santé au Canada, puis ce qui nous a amené à penser à ce cadre qu'on appelle « Vivez bien votre vie ». Mon parcours à moi a été surtout et beaucoup en clinique et en recherche en santé mentale, mais les concepts qui sont mis de l'avant dans le cadre, je veux dire, découlent totalement de notre travail en santé mentale. Mais on avait envie vraiment de diffuser plus largement toute la richesse de nos fondements puis de la recherche des dernières années sur ceux-ci. C'est ça qui a mené à Vivre bien votre vie. Vous allez voir dans le derrière ce cadre-là, on est plusieurs qui viennent du champ de la santé mentale. Alors voilà, pour ça, actuellement, je suis la directrice du programme d'ergothérapie à l'Université de Sherbrooke et je suis en sabbatique, ce qui m'amène à être chez vous et à être tranquille d'esprit et pouvoir partager toutes sortes de choses. Alors, chez nous, au Canada, pour vous situer la promotion de la santé, puis tout à l'heure, je vais aller voir avec vous comment ça se passe en Suisse. J'ai regardé un petit peu brièvement sur le web, mais évidemment, j'aimerais vous entendre. Alors, typiquement, en promotion de la santé au Canada, quand il y a des campagnes qui sont mises sur pied, les thèmes fétiches tournent autour de l'alimentation, de l'activité physique et de la cessation de tabagisme. Ça tourne vraiment presque toujours autour de ça, pas exclusivement, mais beaucoup autour de ça, avec une vision typiquement médicale qui veut dire de tendre à être prescriptif et de tendre à viser un changement de comportement qu'on veut adresser collectivement, mais la responsabilité du changement appartient à l'individu. Donc, par exemple, pour l'alimentation, il y a un nouveau guide alimentaire qui va sortir, qui reflète un peu un changement de philosophie en promotion de la santé, mais jusqu'à tout récemment, dans notre guide alimentaire canadien, on nous disait combien de fruits et légumes par jour nous devions manger, combien de portions de produits laitiers, ça fait sourire, c'est peut-être comme ça ici aussi. Pour l'activité physique, ben, je ne sais pas si ça vous me le direz, plus tard, pour l'activité physique, combien de minutes par semaine, idéalement, doit-on viser à faire de l'activité physique? Donc, typiquement, ça tourne autour de ça, mais en ayant des campagnes pour motiver les gens, pour montrer les bienfaits avec des données probantes, mais ensuite, bien, ça appartient à l'individu de mettre ça dans sa routine. Alors, nous, notre côté, moi et mes collègues derrière « Vivez bien votre vie », on reconnaît que c'est important. Il y a quand même des données probantes, certainement, autour des thèmes et de ce qui est véhiculé comme message. Mais pour nous, on se dit que ça demeure quand même partiel parce qu'on sait comme ergothérapeute que l'engagement dans des activités, c'est plus complexe que juste dire à quelqu'un « ça serait bien pour toi de faire de l'activité physique ». Alors, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment se dire il est temps d'oser, là, se mouiller et proposer une vision ergothérapique de la promotion de la santé où on mettrait vraiment en valeur l'activité signifiante et qu'est-ce que ça veut dire dans toutes ses facettes, parce que c'est complexe et multidimensionnel. Ça amène, je dirais, des défis dans l'univers de la promotion de la santé qui sont habitués à la prescription, à quelque chose de circonscrit, mais ça fait rien, on se disait, on se lance.
Puis, on voulait aussi se rapprocher quand même des tendances de changement qui sont en santé publique et en promotion de la santé, d'adhérer à la vision de l'Organisation mondiale de la santé sur sa définition de la santé, sur l'amélioration et la promotion de la santé, l'amélioration générale, puis la promotion de la santé en prenant en compte les déterminants de la santé aussi. Donc, ça passe aussi par un travail sur les conditions de vie pour promouvoir la santé et pas seulement le changement individuel. Donc, par exemple, chez nous au Québec, dans le plan d'action en santé publique par le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est tout cela qui font partie des déterminants de la santé. Donc, je ne lirai pas tout ça, évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'on a quand même cette vision qu'en santé publique, on réfléchit à offrir des interventions, des programmes où on va agir sur les déterminants, pas seulement que sur les individus et un changement de comportement direct, mais aussi pour que le changement de comportement se produise, on peut intervenir dans les milieux de vie, au niveau des systèmes, puis en prenant en compte le contexte global. Donc, ça, c'est en gros dans le contexte canadien et québécois, là, c'est similaire dans le reste du Canada. Qu'est-ce qu'on fait en ergothérapie, en promotion de la santé? Alors, un indice de cela vient d'une étude de ma collègue Mélanie Levasseur, qui est comme moi à Sherbrooke, qui, en 2013, avec des collègues, ont recensé 69 programmes de promotion de la santé qui ont été conçus ou utilisés par des ergothérapeutes et des physiothérapeutes. Donc, ce qui ressortait, là, c'est que un petit pourcentage est implanté au Canada. Malheureusement, bon, la Suisse n'était pas mentionnée. Les programmes provenaient surtout des États-Unis, du Royaume-Uni, de Scandinavie et en Asie, Hong Kong, Japon, Chine. La majorité de ces programmes-là, donc, on ferait plus de promotion de la santé par des programmes particuliers que nos collègues en physiothérapie. Quand on fait de la promotion de la santé par des programmes précis, c'est majoritairement pour les aînés. Et les thèmes les plus fréquents, bien, touchent à la promotion de la santé, bon, de l'enseignement sur cela par l'activité physique, la gestion des émotions, de l'enseignement sur la prévention des maladies ou de blessures. Je pense au risque de chute, entre autres, là, qu'il y a des programmes très bien documentés. Par relaxation, pleine conscience, c'est très en vogue, la spiritualité, la nutrition, l'éducation aussi sur le vieillissement. Alors, ce qu'on a vu, ce qu'on fait en ergo, ça tourne autour de cela en termes de thématiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'on le fait quand même encore et surtout et beaucoup pour des petits groupes de personnes. Donc, on n'est pas encore énormément dans des collectivités un peu plus nombreuses ou dans des associations, par exemple, ou des organismes communautaires qui rejoignent un plus grand public, plus nombreux. Et donc, on le fait, comme on voit avec les résultats encore, quand même pas mal, à travers les établissements de santé, pardon, puis plus pour des clients individuels. On est encore un petit peu dans ça. Au Canada, pour vous illustrer un exemple d'initiative plus populationnelle, donc parce que quand on parle de santé publique et de promotion de la santé, on pense population générale, grand public. Donc, chez nous, ça serait coast to coast, donc partout à travers le pays. Il y a une initiative que je veux vous mentionner comme exemple qui a été menée par le leadership de l'Association canadienne des ergothérapeutes qui, depuis maintenant une dizaine d'années, a lancé le bal de travailler avec des acteurs clés du monde de la santé publique au Canada pour proposer un site web. Ce qu'ils ont fait comme livrable, c'est un site web sur la prévention des blessures chez les conducteurs aînés. Alors, ils ont travaillé, vous voyez, avec une large équipe, incluant des citoyens, des chercheurs, des professeurs, des cliniciens, des avocats, puis des représentants du gouvernement, dont des gens en santé publique en particulier. Alors, vous avez le lien du site web qui est mis à jour. Et sur ce site web-là, bien, il y a deux sections. Une section pour les conducteurs, pour les aînés, qui se posent des questions sur
leur conduite automobile, qui craignent de perdre leur permis de conduire, pour qui la conduite automobile commence à être un petit peu plus difficile. Donc, il y a une section pour les conducteurs, il y a une section pour les professionnels de la santé, avec différents onglets qui sont informatifs sur divers sujets, comme par exemple les signes révélateurs d'une conduite dangereuse, des technologies et adaptations pour les véhicules, stratégies pour la famille, etc. Ici, ce que je vous donne comme exemple sont des exemples qui nous viennent de collègues américains, mais ceux que j'ai sélectionnés sont des exemples de projets que l'on actualise ou des styles de projets qu'on actualise chez nous en Estrie, dans ma région, Sherbrooke est en Estrie, où à mon université, nous avons une clinique universitaire de réadaptation qui est sous une formule coop. Et une coop, ce que ça veut dire chez nous, c'est que on doit offrir des services aux populations moins bien desservies par le système socio-sanitaire. On doit offrir des services aux ce qu'on considère des personnes plus vulnérables et on doit avoir une mission sociale. Donc, pour nous comme ergothérapeutes, parce qu'on est ergo et physio, mais nous les ergothérapeutes, tous les projets qu'on fait, on s'inscrit vraiment dans cette philosophie-là. Et donc, par exemple, ce qu'on fait qui est plus de l'ordre à plus grande échelle ici au niveau organisationnel. Donc, quand on propose des projets, des entreprises veulent des services d'ergothérapie, c'est pas rare qu'ils viennent parce qu'ils ont des travailleurs qui sont blessés ou à risque de se blesser. Mais nous, quand on y va plus large. Puis, quand on parle de pas juste soigner ou aider à soigner ce qui est blessé, on va plus large, puis on regarde les choses avec, par exemple, la promotion de l'équilibre de vie. Je pense entre autres dans les entreprises où nos ergothérapeutes en privé, quand elles vont en entreprise privée, vont se rendre jusqu'à l'ergonomie. Mais nous, on va encore plus loin parce qu'on charge moins cher que les ergothérapeutes en pratique libérale. On peut se le permettre d'aller vers la promotion de la santé par l'équilibre de vie, entre autres. Dans les écoles, on fait un peu quelque chose de similaire. Donc, quand on fait des projets avec les écoles, comme on le fait actuellement, on intervient pour le bien de l'école. Donc, pas seulement pour des élèves qui auraient des besoins particuliers, qui ont des diagnostics, mais c'est une approche vraiment d'analyse PEO où on propose des solutions qui sont bonnes pour tous, que ce soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école, dans l'aménagement, dans des classes, dans l'aménagement des parcs à l'extérieur, par exemple, même au niveau sur le plan pédagogique, d'amélioration des fois d'arrimage avec qu'est-ce qui est proposé, puis le bien-être des enfants, leur développement moteur, etc. Au niveau préscolaire, donc, des projets, là, encore là, je dirais ici où on est plus autour de la prévention, mais nous, on fait ça chez nous, du dépistage précoce dans les crèches, que vous appelez les crèches, on fait ça chez nous. Et dans les organismes communautaires, on s'est rendu compte, entre autres, que dans les maisons de jeunes, ce qu'on appelle ça comme ça chez nous, les maisons de jeunes, bien, les jeunes viennent, surtout pour discuter entre eux, pour rencontrer des adultes. Il y a un petit peu de jeu libre qui se fait. Mais on s'est rendu compte avec des implications avec ces organismes-là que les jeunes qu'on rencontrait souvent exprimaient un sentiment de désengagement, d'ennui, de manque de sens. Donc, on intervient plus là-dessus et avec des projets d'engagement dans des activités signifiantes, par exemple. Donc, ça, c'est au niveau des organisations pour influencer un petit peu la culture organisationnelle. Au niveau populationnel, des exemples, on est aussi dans la promotion de la santé, puis éliminer des obstacles. Ma collègue Mélanie Levasseur fait beaucoup ça dans ses travaux de recherche auprès des aînés pour favoriser leur participation sociale. Dans l'endroit où je vis, comme c'est souvent le cas au Québec, quand on n'est pas dans des grands centres, les transports en commun sont très limités. Donc, les aînés se retrouvent, entre autres, très souvent isolés, puis c'est une barrière là, pour pouvoir avoir accès
à des services pertinents et des activités signifiantes. Donc, on peut agir auprès des municipalités à ce niveau-là. C'est ce que ma collègue fait, entre autres, là, dans ses projets. Au niveau populationnel aussi, offrir nos services comme ergothérapeutes dans des résidences pour aînés, pas seulement pour aider des aînés qui sont déjà identifiés comme étant en perte d'autonomie, mais pour faire de la prévention de la dépression, parce qu'ils peuvent être à risque de désengagement et d'ennui aussi dans ces milieux-là, parce que c'est très variable d'un milieu à l'autre, quelles seront les opportunités occupationnelles. Au niveau gouvernemental, on voit chez nous une tendance en accroissement où, comme ergothérapeute, on se mouille plus publiquement au niveau des politiques gouvernementales. Notre ordre professionnel, entre autres, va rapidement réagir en faisant appel à des experts en recherche ou clinique pour les alimenter et proposer des mémoires, se présenter en commission parlementaire sur des thèmes comme, par exemple, soutenir l'intégration des enfants avec des incapacités dans les garderies, dans les crèches et dans les écoles, parce que chez nous, la politique gouvernementale est vraiment comme ça. Il y a de moins en moins d'écoles séparées ou spécialisées. L'intégration des enfants se fait dans les écoles régulières, mais ça pose des défis. Donc, réagir à ça, c'est un exemple. Soutenir des initiatives comme Ville Amie des aînés. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez en Europe, mais chez nous, bon, c'est un projet intéressant. Puis, on a l'équivalent aussi pour les enfants qui vivent avec un, ou les adolescents, les adultes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, promouvoir ce genre d'initiative-là. Donc, être impliqué là, dans ce genre de projets-là qui sont plus macro. Puis, un dernier. Par exemple, c'est un exemple qu'on ne fait pas encore beaucoup, mais on est dans cette mouvance-là, mais on a des enjeux, entre autres chez nous, avec l'aide sociale ou l'aide aux revenus, qui est un modèle assez tout ou rien, et donc qui permet pas facilement à des personnes qui auraient besoin de moduler, par exemple, les exigences d'être en emploi ou d'être aux études. C'est assez, soit que tu y vas à temps complet pour... Puis sinon, ben, on va couper tes prestations ou les réduire. Donc, ce n'est pas très facilitant, mais c'est le genre de politique où on pourrait s'impliquer, là, nous, puis bon, défendre ça, puis montrer les liens avec l'importance de tout cela pour la santé là, globale, évidemment. Donc, ça, c'est un peu un portrait là, chez nous, ce qui se passe, puis comment on aborde ces questions-là qui sont plus populationnelles. Donc, je prendrai quelques minutes avant de faire le lien avec « Vivez bien votre vie » et voir comment ça se passe en Suisse. Alors, que ce soit les thèmes de promotion de la santé en Suisse, puis les ergothérapeutes et la promotion de la santé en Suisse, ça ressemble à quoi? Vers où vous voulez aller? Donc, je vous ouvre la parole. S'il y en a qui veulent... se lancer. Je ne pointerai pas des individus, je sais qu'il y en a qui travaillent en promotion de la santé, mais je ne veux pas. Moi, je me sens visée. Bien, pour briser la glace, pour briser la glace. Alors, comme tu l'as dit, les thèmes, si on reste, la promotion de la santé large en Suisse, restent les mêmes. La nutrition, l'activité physique, bien manger et bouger, restent les termes larges de la promotion à la santé, les termes prônés par Promotion Santé Suisse. Ainsi que la santé en entreprise, la santé des adolescents restent des thèmes prioritaires et la santé mentale. L'ergothérapie dans ce domaine en Suisse reste plus modeste. Il y a peu de projets menés par les ergothérapeutes, en tout cas à ma connaissance, en Suisse romande. Hein. Je ne vais pas parler pour les autres cantons. Par contre, moi j'enseigne cette thématique à l'école depuis plusieurs années et je l'enseigne pour l'ouvrir sur des projets. Les étudiants à chaque année font des projets, en tout cas se lancent dans des projets. Il y en a qui sont dans la salle là, cette année. Je suis contente qu'ils soient là pour certains en deuxième année puisque l'objectif c'est d'aller les faire. D'aller les faire rencontrer des populations larges, dans leur milieu de vie. Donc on travaille avec les déterminants sociaux de la santé. Oui.
pour essayer de voir quelles activités sont impactées pour leur santé, bien-être, hein, pas santé et maladie. Exact. Et voir comment en ergothérapie on pourrait développer des projets populationnels avec cette approche-là. Par contre, on reste vraiment en salutogénèse et pas du tout en pathogénèse, parce que là, dans ce que tu disais, tu as des moments où tu fais de la prévention, d'autres moments où tu fais de la promotion. Et en tout cas, dans ce que j'essaie d'amener en Suisse dans la promotion à la santé, je reste vraiment dans la salutogénèse, avec vraiment cette notion où on développe les ressources des individus, ressources qui passent par les compétences psychosociales, par les comportements simples. Mais ça ne suffit pas, tu l'as bien mis en évidence. Mais on travaille aussi sur les milieux de vie, sur les déterminants. On a tout à fait le même. Vous avez chippé le modèle de déterminants sociaux de la santé. On en a aussi celui de l'OMS. Mais voilà, donc. Mais on est encore un peu frileux. Ça fait encore un peu peur. Je pense qu'il y a des ergothérapeutes ici qui sont passés par l'école et. Peuvent te parler de ce qu'ils ont vécu par rapport à leur expérience, mais on est encore frileux pour se lancer dans des projets où on sort du médical, où on sort de notre confort de pratique institutionnelle. Voilà, moi ça fait maintenant plusieurs années que j'essaye de pousser, mais ça prend gentiment. Ça change, voilà. Je peux dire moi, mais je laisse la parole. Je vais peut-être rebondir tout de suite en disant que c'est assez similaire. Hein. C'est similaire au Québec et dans le reste du Canada aussi. C'est peut-être que le bassin, tu sais, commence à augmenter un petit peu plus. Puis même, tu sais, il y en a qui osent aller même du côté, tu sais, des décideurs, assez haut dans le gouvernement et tout ça. Mais c'est similaire, puis on essaie, nous aussi, de développer des projets concrets. Là, on sait qu'il y a une ergothérapeute qui est embauchée à Montréal en santé publique, ce qui est assez exceptionnel, mais ça commence. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, tu sais, qu'il y a des ergothérapeutes qui ont des postes. C'était pas affiché comme tel, comme ça, mais qui ont osé, puis donc ça commence, là. C'est facilitant, c'est sûr. S'il y a un poste en santé publique, c'est facilitant. C'est sûr. Alors, ce qui se développe un peu plus en Suisse, en tout cas dans le domaine de la promotion à la santé, c'est avec la promotion de la santé en entreprise, où il y a de plus en plus de demandes des entreprises. Ouais. Et du coup, c'est plus simple aussi, puisque on se sent plus légitime pour aller intervenir en entreprise. Sûrement dans les écoles aussi, mais c'est pas mon secteur. J'ai la parole à un collègue qui est en train. Mais du coup, la promotion de la santé, moi j'ai fait déjà plusieurs, parce que j'ai une petite entreprise à côté où je fais de la promotion de la santé en entreprise. J'ai déjà plusieurs mandats où je vais faire de la promotion et pas de la prévention, ouais. Vraiment de la promotion, améliorer la qualité de vie, le bien-être, ouais. Des salariés dans leur poste de travail, dans leur milieu de vie, ouais. En travaillant sur les déterminants. Sur ouais. Et là ça marche un peu mieux. Ouais. Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui aimeraient partager des expériences ou des exemples ou des lieux qu'ils aimeraient, des milieux où ils aimeraient que ça se fasse davantage. On voit que ça se développe là, dans le secteur que vous dites. Bon, c'est bien, je vais poursuivre, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Où vivez bien, votre vie s'inscrit maintenant dans tout ça? C'est que si on revient au départ, justement, avec les façons un petit peu plus... peut-être je vais tout de suite revenir à vous, Michel. Est-ce que, justement, c'est aussi relativement prescriptif? Tu sais, ce qui vient du macro, est-ce que c'est plus prescriptif, c'est plus circonscrit? Parce que nous, c'est un peu en réaction à ça qu'on a décidé d'organiser quelque chose. Ou pas nécessairement? Pas nécessairement. OK. C'est ça. Donc, vivez bien votre vie. Vous voyez les personnes derrière le modèle. Donc, Sandra Mole, Rebecca Gouwertz et Laurie Letts de l'Université McMaster qui est en Ontario, tout près de Toronto. Terry Krupa qui est de Queens, qui est dans une maintenant à la retraite, qui est de la ville de Kingston, qui est entre Ottawa et Toronto. Et puis, Mélanie Levasseur qui était au début avec nous. Maintenant, elle est plus collaboratrice avec nous.
Elle a beaucoup d'autres projets. C'est né vraiment d'une discussion entre mes collègues ontariennes et où vraiment elle voulait nous aider à avoir un vocabulaire, un cadre, un outil pour faire la promotion de la santé par l'activité signifiante. Donc, vraiment, comme je vous disais, vulgariser nos fondements, les rendre accessibles à la population générale, puis se mouiller dans cet univers pour amener notre couleur. Donc, les usages que nous, on y voit vraiment notre idée derrière, c'est vraiment, bon, tout d'abord, c'est un cadre. On va voir plus loin, là, mais je l'ai dit tout de suite, c'est un cadre. Ce n'est pas un programme d'intervention, c'est un cadre où on met de l'avant des idées comme ergothérapeute pour nous, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de promotion de la santé et d'activité signifiante. Ce que ça veut dire, bon, on le sait, on est, comme vous le partagiez bien, on est à l'aise avec des gens qui nous sont référés pour des diagnostics médicaux, mais quand on sort de cela, puis on est en promotion de la santé, vous l'expliquez très bien, bien, nous, on voit ce qu'on met de l'avant, nos fondements en ergothérapie, nos concepts, ils sont bons pour tous. Ils sont bons pour tous. Donc, quand moi, par exemple, je présente le modèle avec des cliniciens, je leur dis, si vous vous mettez avec un chapeau de promotion de la santé, ça veut dire quand vous allez retourner dans votre milieu de pratique, vous pouvez tout à fait utiliser ce qui est derrière, vivre bien votre vie avec vos clients, vos patients, ils le font naturellement, mais ça veut dire d'aller dans vos établissements puis de faire des présentations sur, avec Vivez bien votre vie à vos collègues, à vos gestionnaires, à tous. C'est ce que ça veut dire, dans cette lunette-là. Fait que ça, déjà, c'est pas, on est moins dans nos pantoufles ici, mais c'est ce que ça veut dire. Fait que moi, je les encourage parce que ce qu'on véhicule avec Vivez bien votre vie, avec nos fondements en ergothérapie, c'est bon pour tous. Ce qu'on vise, c'est vraiment de stimuler la réflexion des individuels, puis ça peut se faire collectivement, mais c'est stimuler la réflexion. Donc, les idées qui sont dedans, les concepts qui sont là, c'est pour stimuler la réflexion sur les patterns, là, qu'on sait plus ou moins toujours bien comment le traduire, mais les configurations, nos répartitions d'activités, puis en particulier quand on vit des moments de vie où on vit des situations qui nous perturbent davantage, des transitions entre autres, où ça peut être des fois justement là où nos patrons d'activité sont plus ébranlés. Informer les collègues et les décideurs sur notre perspective occupationnelle et fondée sur des preuves. Donc, parce que ce que je vais vous présenter, ce que je vous dirai tout de suite, quand on a pensé à Vivez bien votre vie, c'était très important que tout ce qui est avancé dans le cadre est appuyé par des données probantes ou des preuves scientifiques. Donc, même si on pourrait voir d'autres éléments, si l'état des connaissances n'est pas assez avancé, c'est pas dans le cadre pour le moment. Ça se veut aussi un outil qui peut servir à faire de la revendication au niveau communautaire, qui peut influencer une clinique, un organisme, au niveau de sa philosophie et de ses principes, ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Je n'ai pas encore pu actualiser un projet avec un organisme de santé, mais de première ligne en Ontario, qui sont dans le nord de l'Ontario, mais je vais le faire sous peu. Et c'est une infirmière qui nous a sollicité parce que pour elle, ça faisait beaucoup de résonance, ce qui est derrière, ce qu'elle voyait sur le web de Vivez bien votre vie. Puis je vais les accompagner là-dedans, mais ils veulent vraiment, justement, l'intégrer comme équipe, comme philosophie d'équipe. Donc, ça peut être un outil utile pour ça et un outil de communication avec des décideurs du gouvernement, ceux qui influencent les politiques, l'allocation des ressources, afin d'élargir le discours en santé publique sur la promotion de la santé. Donc, ma collègue qui est embauchée en santé publique, elle le voit actuellement comme ça, son usage « Vivez bien votre vie ». C'est quand il y a des projets de santé publique qui se dessinent, elle veut avoir ça en tête pour amener des angles auxquels les collègues des autres disciplines ne pensent pas. Donc, elle le voit comme un outil qui va l'aider à articuler ses argumentaires, entre autres. Donc, il peut être utilisé comme cela. Mais effectivement, il peut être tout à fait utilisé comme outil d'évaluation puis d'intervention clinique, comme on est habitué de le faire.
avec les idées derrière, mais il n'y a pas un programme de nombre de séances, de durée des séances associées au cadre « Vivez bien votre vie ». Ici, vous l'avez en résumé, mais l'essence est vraiment là. Donc, on l'a appelé, en anglais, c'est « do, live well », puis ce qui est important autant en anglais ou en français, c'est vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant comme message, c'est vraiment de dire à tous que il y a une richesse dans notre vie quotidienne que souvent on n'a pas conscience ou on minimise, puis c'est comme important de valoriser à nouveau ce que l'on fait dans notre vie quotidienne. On le voit un peu chez nous, juste par le terme « occupé », c'est vu comme passer le temps, c'est vu comme négatif. Chez nous, c'est aussi minimisé, la vie quotidienne, c'est simple. Mais nous, on dit non, il y a une richesse là qu'il faut prendre le temps d'aller regarder le bien qu'on fait déjà dans notre vie quotidienne, puis évidemment, ce qu'on peut améliorer aussi. Mais ça, c'est un message important. Dans les autres éléments importants, ce que vous voyez à gauche, on parle de dimension de l'expérience. Et ce n'est pas pour rien. Vous ne verrez pas le mot « activité » directement dans le modèle, parce que la façon qu'on voit l'activité, c'est que l'activité ou l'occupation, c'est une opportunité d'expérience. Et c'est à travers cette expérience-là que ça vient stimuler des bienfaits qui sont bons pour la santé globale, incluant le bien-être aussi là, à l'intérieur de cela. Donc, on en parle comme ça. Vous ne verrez pas d'AVQ, d'AVD. On n'utilise pas le vocabulaire avec ces classifications-là. L'autre volet important qui est souvent peu présent, là, typiquement, puis que nous, on veut mettre de l'avant, c'est que quand on parle de promotion de la santé par l'activité signifiante, ça passe par aussi regarder comment on organise nos activités dans nos horaires, comment tout ça s'agence ensemble et pas juste regarder les activités de façon distincte ou une à la fois. Donc ça, c'est un morceau important de vivre bien votre vie. Et j'y reviendrai, mais rapidement, évidemment, comme on parle de réalisation d'activités, il faut tenir compte du contexte. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas parler de réalisation d'activités signifiantes sans prendre en compte des facteurs environnementaux, entre autres. Alors, dans les messages importants sur lesquels on revient par les différents morceaux, mais qui est un fil conducteur, c'est vraiment l'importance de la variété. Donc, ce qu'il n'y aura pas non plus comme message avec le cadre « Vivez bien votre vie », c'est la prescription de quantité. Alors, que ce soit par l'angle du choix, que ce soit par l'angle de l'équilibre, entre autres, les données probantes tendent beaucoup à nous dire que ce qui est bon pour la santé et le bien-être, c'est la variété. La variété nous donne des opportunités d'expériences diverses qui vont stimuler différents bienfaits, puis c'est ça qui va être favorable à la santé, au bien-être. Alors, quand on parle de santé, de mode de vie sain, on est large ici, hein, on n'est pas du tout dans, on n'a plus de symptômes de maladie, donc on est vraiment dans la saltogenèse, là, comme vous mentionnez un petit peu plus tôt, on s'inscrit dans ça aussi. Et comme je vous disais, l'activité, on la voit comme une opportunité d'expérience. Alors, comme ergothérapeute, ce que ça veut dire, c'est que ça élargit définitivement notre rôle et pour qui on peut apporter du bon ou qui on peut accompagner en amont pendant qu'ils vivent une situation de vie plus difficile. Donc, ça élargit à pas seulement intervenir auprès des gens qui ont des problèmes de santé incapacitants, mais comme par exemple chez nous, on a un projet où on veut offrir, un programme complémentaire à ce qui se fait à l'accompagnement à la retraite pour les employés de l'université, parce que typiquement chez nous, quand on parle d'accompagnement à la retraite, c'est l'accompagnement de la gestion financière à la retraite, puis ça s'arrête à peu près à ça.
Mais c'est un exemple ici où, avec les idées derrière « Vivez bien votre vie », on veut se joindre à cette équipe-là qui fait ça pour ajouter une perspective occupationnelle. Alors vraiment, ce que ça veut dire, c'est que on va vraiment au-delà d'intervenir auprès de gens qui ont déjà des problèmes fonctionnels, mais où, pour tous, on veut réfléchir à nos activités, à nos horaires de vie, puis à notre santé là, globalement. Donc, on va vraiment au-delà de l'indépendance fonctionnelle comme finalité ou comme visée. Alors, comme je vous disais, on n'est pas dans la prescription. C'est un cadre où on invite les gens à réfléchir. C'est un levier pour nous d'amener une discussion sur ces thématiques, sur cette thématique-là de l'activité signifiante. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on s'inscrit. Donc, on est vraiment dans l'idée de l'empowerment, donc de l'autonomisation des personnes. C'est quelque chose qui va être collaboratif, qui va être interactif pour amener les gens à faire des prises de conscience, puis préparer un plan là, pour la suite des choses. C'est important pour nous aussi de vous dire qu'avec « Vivez bien votre vie », ça peut être très beau, très positif. L'occupation peut être, oui, protectrice à la santé, mais elle peut être un facteur de risque aussi. Puis, je vais revenir tantôt, mais on ne le voit pas juste toujours sous un angle habituel positif non plus, dans le sens où il y a des activités qu'on fait dans leur nature, elles peuvent être jugées négativement, socialement, mais elles ont du sens pour la personne. Donc ça, c'est correct quand on travaille avec « Vivez bien votre vie », parce qu'on veut amener la personne à réfléchir sur ce qu'elle apporte, cette activité-là, à la personne, même si, socialement, elle est jugée négativement. Comme on reste qu'on est appelé au premier plan à agir avec des personnes qui vivent des perturbations occupationnelles, là, dans un sens large, qui sont des situations, en fait, qui sont justement propices à revisiter ses activités, ses routines, ses choix, ce qu'on valorise, bien, il y a une opportunité de changement, il y a une opportunité aussi d'activer la résilience, puis d'activer un processus transformateur. Donc, vivez bien votre vie peut amener justement une réflexion intéressante pour les personnes là, dans ces situations-là. Donc, on est tout à fait, je dirais, congruent avec ce que Rachel Thibault nous propose à ce niveau-là, au niveau d'amener les gens à voir la puissance des activités quotidiennes pour stimuler la résilience. Donc, on s'inscrit dans le même esprit. Dernièrement, il y a eu une entrevue avec elle dans les journaux locaux chez nous au Québec, puis elle parlait exactement de cela. Et c'était intéressant parce que c'était... Le titre était « La puissance insoupçonnée des activités de la vie quotidienne », parce qu'on pense résilience, il faut faire de la méditation ou il faut faire des choses des fois qui semblent pas toujours facilement accessibles. Mais non, elle disait, de par tous ses travaux et ses expériences avec différents groupes, il y a tout un potentiel dans ce qu'on fait dans la vie quotidienne de stimuler la résilience par la centration, la contemplation, la création, la contribution et la communion, là, qui sont les cinq ingrédients de résilience à travers différentes activités. Des fois, c'est juste de les faire un petit peu différemment pour stimuler ça. Alors, dans « Vivez bien votre vie », ce qu'on a comme preuve scientifique, comme données probantes, ou ce qu'on voit comme dimension qui sont favorables à soutenir la santé et le bien-être. C'est comme ça qu'on peut faire réfléchir les gens en partant d'une dimension et faire un lien avec des activités ou en faisant le chemin à l'inverse, en demandant aux gens de réfléchir à leurs activités, puis quel bienfait, quelle dimension est stimulée quand il ou elle fait cette activité-là. Donc, les dimensions, il y a des données probantes associées. C'est lorsque on fait des activités pour activer son corps, esprit, sens. Quand on fait des activités pour créer des liens, contribuer à la société, prendre soin de soi, développer son potentiel, développer aussi son identité personnelle, vivre du plaisir et de la joie et construire sa prospérité.
Alors, par exemple, je n'irai pas dans tous les détails aujourd'hui, mais chaque morceau a donc des preuves associées pour justifier qu'ils ont été mis dans le modèle. Alors, par exemple, d'en contribuer à la société, que ce soit financièrement, du temps ou de l'information, une des activités qui reçoit une attention particulière par la recherche en ce moment, c'est le bénévolat. Et il y a différents bienfaits qui sont associés par des études, entre autres, qualitatives. Mais les gens qui font du bénévolat, des aînés en particulier, ils ressortent une amélioration perçue de leur fonctionnement, moins de symptômes dépressifs et globalement une meilleure santé perçue et un plus grand bien-être. C'est favorable à l'empowerment ou l'autonomisation, à un meilleur sentiment de contrôle et plus d'optimisme. Puis l'optimisme est bon pour le cerveau. Prendre soin de soi et ses besoins, ça peut passer par différentes activités, mais certaines ont reçu une attention un petit peu plus grande, comme le yoga. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur les bienfaits du yoga, de la pleine conscience, de la méditation. Être dans la nature aussi. Il y a plusieurs bienfaits physiologiques, il y a des études qui prennent même des mesures physiologiques et cognitives également. Donc ça, c'est des exemples ici quand on regarde des données probantes sur les dimensions. Mais si on fait le chemin à l'inverse, puis on regarde une activité et les données probantes associées à cette activité-là, parce qu'on peut faire le chemin à l'inverse, c'est par exemple, ici je donne l'exemple du jardinage. Alors, le jardinage, il y a différentes études qui ont regardé différents morceaux, mais par exemple, quand on le fait à l'extérieur, bien, il y a plusieurs bienfaits d'être dans la nature, dont des effets positifs sur la restauration mentale, donc prendre une petite pause ici là, du hamster qui tourne. Ils ont pris parfois dans des études des mesures physiologiques, puis ils ont vu par exemple que des personnes se rétablissent plus rapidement d'un événement stressant, même en regardant des images, et c'est plus fort même quand les images sont des images de paysages plutôt que des paysages urbains, je pourrais plus dire. Ça aide à diminuer les symptômes anxieux et dépressifs, ça aide au sommeil et à la santé physique, il y a des bienfaits spirituels aussi associés au fait d'être dans la nature, il y a un potentiel de le faire socialement et donc de développer des habiletés sociales, des aptitudes au travail ou dans une activité vocationnelle. Puis, qualitativement, bien, il y a quelques études qui indiquent que les gens qui en font apprécient cette activité parce qu'elle donne un sentiment d'être productif et utile. Donc, ça, c'est par rapport aux éléments liés aux dimensions de l'expérience. Par rapport aux horaires de vie et de la santé, donc les cinq dimensions de cet aspect-là, sur lesquelles, encore une fois, on discute, on fait réfléchir les gens, c'est sur un continuum de sentiments d'engagement, du désengagement au surengagement dans des activités, à l'équilibre et au déséquilibre dans l'usage de notre temps. La notion de choix, encore une fois, tous ces morceaux-là ont des données probantes, mais je n'irai pas dans tous les détails, mais sachez que c'est ça, il y a des données probantes associées. Par rapport à la notion de choix, bien, c'est de faire réfléchir les gens, encore une fois, sur un continuum. Les activités qu'ils font dans une journée type, ça peut être ça, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font vraiment qui vient d'eux? Qu'est-ce qui est plus imposé? Puis c'est de regarder dans ça le dosage et est-ce que c'est aidant, bénéfique ou moins. Le sens aussi, évidemment, des activités. Puis la routine. Donc, encore là, on peut regarder avec un continuum, de regarder les habitudes. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas? C'est rigide? C'est justement trop excessif, par exemple? Alors, comme je vous disais, on invite les personnes qui travaillent avec différents groupes. Quand on les fait réfléchir ou discuter de leurs activités, comme ergothérapeute, on est plus dans la posture de ne pas juger, mais de regarder, par exemple,
quand moi je le vois avec la clientèle avec qui je fais mes projets de recherche, qui vivent avec un trouble de la personnalité limite, on a justement une étude où on termine l'analyse. C'est des gens qui utilisent des substances. Longtemps, ils étaient exclus des programmes de thérapie. Ça, c'est souvent un petit critère d'exclusion, ça, la consommation de substances. C'est souvent quelque chose qui va être faire partie de leur vie. Dans l'étude qu'on est en train de faire, bien, il y a beaucoup de sens à prendre des substances, puis pas juste à cause de l'effet de la substance, mais il y a toutes sortes de fonctions bénéfiques pour le bien-être de la personne autour de l'usage de la substance, qui est vraiment une occupation signifiante parce qu'elle permet de socialiser, parce qu'elle permet de profiter de jeux vidéo dans lesquels ils sont impliqués, parce que c'est ce qu'ils font, etc., etc. Donc, c'est dans l'idée que c'est pas socialement, c'est pas bien vu. Nous, maintenant, la marijuana est légale. Ça change un peu les choses. Il y a des substances illégales, je conviendrai. Mais l'idée dans ça, c'est de ne pas juger au départ, mais d'aller comprendre pour la personne, là, en quoi c'est signifiant, parce que si elle le maintient, c'est parce qu'il y a des aspects signifiants liés à cette activité-là. Alors, comme je vous disais, dans un travail où on veut mettre de l'avant les idées de vivre bien votre vie, nos fondements ergothérapiques, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire sans prendre, comme je vous disais, en considération l'environnement social et l'environnement physique. Alors, avec Vivez bien votre vie, donc c'est un cadre où on peut communiquer ces idées-là, ces messages-là, et on veut amener les gens à réfléchir, à discuter, à prendre conscience, puis on espère là, mettre dans leur vie des changements qui vont être positifs et durables. Alors, c'est comme je vous disais, c'est pas un programme d'intervention, mais bien sûr, des ergothérapeutes qui accompagnent des gens dans un cheminement thérapeutique vont demander, mais comment je l'applique après que j'ai vu ça, ces idées-là? Alors, c'est, je dirais, des modèles en promotion de la santé, entre autres, qui vont être utilisés pour soutenir des changements. Le premier est le modèle transthéorique de Prochaska. Donc, ça se lit très bien avec Vivez bien votre vie parce qu'on reste dans l'idée que quand des gens ont des changements qu'ils veulent amener dans leur vie, c'est pas facile. Il va y avoir de la résistance, un degré de motivation très divers. Le modèle de Prochaska tient compte énormément de cela, si vous le connaissez moins, avec des stades liés à la motivation au changement. Et on, comme thérapeute, bien, on utilise différentes stratégies en fonction du degré de motivation où la personne elle est rendue dans son cheminement avec le changement à mener. Ce qui nous vient de la théorie du chaos et de la résilience aussi se lit très bien avec « Vivez bien votre vie », l'esprit dans lequel on s'inscrit. L'apprentissage chez l'adulte aussi, donc ce qui est plus efficace pour amener un adulte à amener des changements, bien, peut inspirer comment on peut utiliser « Vivez bien votre vie ». Il y a également le modèle ergothérapique de Claire-Jeanne Duboulos qui s'appelle « Le processus de transformation des perspectives de sens ». Qui est très, très, très axé sur la réflexion aussi, sur ces plusieurs volets similaires à Vivez bien votre vie, là, mais pour accompagner une transformation chez quelqu'un qui, dans son cas, était chez les gens qui ont eu des maladies incapacitantes importantes. Et évidemment, on est dans les eaux de l'agent de changement, surtout quand on veut sortir du milieu clinique puis véhiculer des idées, des nouvelles idées, des changements de culture. Ce qui nous vient des travaux d'Annie Carrier, d'Andrew Freeman et autres collaborateurs là, qui sont des ergothérapeutes québécois sur l'agent de changement. Excusez, mes collègues qui travaillent d'après ces choses-là, parce que Sylvie arrive. Mais bon, voilà. Pour lancer la discussion, actuellement, on travaille sur un guide réflexif bref qu'on a conçu et commencé à expérimenter en Ontario et au Québec avec des personnes qui vivent avec des troubles de l'humeur et anxieux. Donc, c'est une première version qui va sortir au printemps de ce guide-là. Et ensuite, bien, on verra l'usage, on espère, on pense qu'il pourrait très bien s'appliquer avec
vraiment n'importe quelle clientèle, mais on part avec ces gens-là parce que c'est vraiment pour lancer le bal brièvement, pour reprendre les idées derrière le modèle et les concepts qu'on met de l'avant pour amener la personne à réfléchir, nous articuler notre pensée, puis lancer la discussion. Donc, vous voyez ici vraiment des extraits seulement avec des questions. On met quand même un petit peu de visuel là-dedans, mais pour partir le bal et reparler des dimensions que je vous ai mentionnées, puis des horaires de vie, l'utilisation du temps. Ici, pour partir le tout. Il va être disponible en français et en anglais, donc au printemps. Les étudiants terminent au mois d'avril. On finalise ça, moi et ma collègue Rebecca Gwartz. Et vous voyez souvent passer sur les diapos, je vais revenir à la fin. On a un site web et ça sera là, ça sera sur le site web. Alors, pour amener des changements durables, ce qui est gagnant quand on veut réfléchir sur son quotidien, sur ses activités, puis on veut travailler avec les idées derrière « Vivez bien votre vie », bien, ce qu'on vit, c'est augmenter les connaissances des personnes sur la promotion de la santé par l'activité signifiante. Comment? Avec quels outils? On a un site web sur lequel on a fait des vidéos des différents morceaux du modèle. On sait qu'il y en a qui sont des gens qui retiennent mieux ou sont plus captés par ce qui est visuel. Donc, on a ça, mais on a aussi le modèle avec les messages clés, les données probantes, résumées de façon papier aussi, donc des feuillets. Pour atteindre cette visée-là, d'augmenter les connaissances, bien, présenter les données probantes, c'est quelque chose qui est gagnant. Et quand on a à présenter le modèle à des décideurs, par exemple, à des collègues, ou peu importe, bien, de penser à comment on va livrer le message, parce que j'ai des collègues qui vont vouloir faire cela, de vouloir intégrer ou concevoir un programme d'intervention qui va être inspiré de « Vivez bien votre vie », donc pour le vendre à leur gestionnaire pour pouvoir l'implanter, bien, on invite à y greffer des témoignages, des fois des statistiques, c'est ça qui va être parlant, mais d'avoir un message simple, inattendu, concret, crédible, émouvant. Donc, par exemple, nous, sur le site web, on a des témoignages d'ergothérapeutes, pour le moment, s'il pouvait avoir des non-ergothérapeutes qui nous témoignent, dans le fond, de leur usage de « Vivez bien votre vie ». Comme je vous disais, je vais travailler avec des collègues où il n'y a pas d'ergothérapeutes au nord de l'Ontario. Bien, je leur ai dit que j'aimerais ça qu'ils contribuent éventuellement avec un blog qu'on mettrait sur le site web. Donc, on a ces témoignages-là aussi. Augmenter l'autre visée, c'est bien sûr aussi d'augmenter les connaissances des personnes sur elles-mêmes par rapport à leurs défis occupationnels dans leur mode de vie. Donc, il va y avoir le guide réflexif, bref. Et vous voyez que le modèle touche plusieurs aspects parce que c'est ça l'activité signifiante, c'est un peu tout ça. On a déjà certains outils, certains questionnaires en ergothérapie qui évaluent certains morceaux qui sont liés au modèle, qui ne viennent pas nécessairement du modèle, mais des outils, des questionnaires sur l'équilibre de vie, il y en a maintenant. Sur l'engagement dans des activités signifiantes, il y en a. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ça, là, sans problème. Pour augmenter les connaissances des individus sur leurs défis, bien discuter avec vous comme thérapeute, avec des pairs. Puis aussi, ce qui est important dans tout ça, c'est pas juste de parler de ce qui va mal, mais de parler aussi de ce qui va bien. Pour structurer le changement, alors, ce qui nous vient de ces modèles-là d'intervention tout à fait pertinents, dans la suite des choses, bien, se fixer des objectifs concrets avec des plans de match structurés, faire vivre comme on fait comme ergothérapeute là, tout le temps, faire vivre des expériences concrètes et en reparler par la suite, donner des devoirs d'application parce que c'est par la pratique qu'on intègre, faire des retours aussi parce que l'adulte apprend en réfléchissant puis en explicitant à voix haute par la suite ou par écrit, mais on en reparle. Mémoriser des phrases clés qui rappellent ce qu'on souhaite comme changement ou l'objectif vers lequel on tend. Faire expliciter des ressources et des stratégies gagnantes
qu'on a utilisés dans le passé ou qu'on a observés chez des proches. On fait de la résolution de problèmes. Quand on a voulu essayer quelque chose de nouveau, ça n'a pas marché. Alors ici, bien sûr, on s'inscrit dans l'idée que ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité d'apprentissage. Et pour intégrer le tout, bien, la pratique, les retours, la discussion, faire des bilans sur son cheminement, faire expliciter son cheminement, puis le concrétiser avec des outils avant-après, c'est toujours aussi quelque chose qui peut être très porteur et très bon, positif pour la personne, parce que, bon, moi, dans mon expérience clinique, quand c'était ce moment-là dans la thérapie, les gens disaient « ouais, c'est sûr que toi, tu me dis des choses positives, ouais, mais tu sais, j'ai encore de la misère avec ci, ou j'ai encore, bon, tout ça à travailler. » Mais quand on fait des questionnaires avant-après, ah, c'est la personne avec elle-même, donc c'est très parlant. Alors, actuellement, vivez bien votre vie. Le feedback, la rétroaction que j'en ai vient des communications que les gens ont avec nous via notre site web. Donc, on sait que dans différents pays, les gens lisent nos articles ou regardent le site web et nous disent « Ah, on trouve intéressant les idées derrière, le cadre, comment vous avez mis ça ensemble. » Alors, c'est comme ça qu'on sait que dans différents pays, il y a un intérêt. Dans les projets concrets, donc je vous ai parlé de celui avec les personnes qui ont des troubles de l'humeur et anxieux. Aînée vivant dans la communauté, bien, Laurie Letts, c'est son champ d'expertise. Alors, elle a fait des projets avec des étudiants en ergothérapie pour aller dans des résidences pour aînés, puis parler de « Vivez bien votre vie ». En pratique clinique en première ligne, en particulier en Ontario, donc on sait que des ergothérapeutes vont l'utiliser, entre autres, pour parler du rôle de l'ergothérapeute puis de ce qu'on peut faire en première ligne. En hébergement adapté auprès de personnes qui ont vécu là, un traumatisme crânio-cérébral. Et il y a une version allemande du modèle. Je sais qu'il y a des collègues qui l'ont vu passer ou le savent, que les collègues allemands ont eu un intérêt pour le modèle. Ils ont écrit aussi des articles. Et bien, ça serait sous peu, c'est juste sur le plan technique là, qu'on a besoin de notre technicien en informatique là, pour le mettre sur le site web qui ne nous répond pas beaucoup, mais c'est vraiment une question technique. Mais on veut mettre bientôt là, la version allemande du modèle là, sur notre site. On ne veut pas le garder dans un tiroir caché. Là, donc. Et il y a possiblement plus d'initiatives ou de projets, mais nous, c'est pour ça qu'on aime beaucoup quand les gens nous écrivent, parce que sinon, on le sait plus ou moins là, comment après ça, les gens reprennent le cadre ou l'utilisent, dans quel contexte. Donc, quand il y a des champions qui nous écrivent puis qui ont des projets intéressants, bien, on est en lien avec eux, puis souvent on va leur dire « Écrivez-nous un petit blog, on va mettre ça sur le site web, on va diffuser ce que vous avez fait avec des photos, et voilà. » Et nous, par rapport au modèle lui-même, évidemment, les connaissances évoluent. Nous, ce qu'on prévoit faire, on attend justement cette rétroaction d'ergothérapeute ou de non-ergothérapeute avec le modèle. Quels sont les mots qui accrochent? Il manque-tu des choses? Moi, mes collègues ergothérapeutes avec qui on fait le projet du guide réflexif disaient que les clients n'ont pas du tout de problème à comprendre les concepts, puis ça fait beaucoup de résonance dans leur pratique en santé mentale. Mais ça pourrait ne pas être le cas là, avec tous, mais on est très ouvert à ça. Puis, quand on va avoir une bonne idée de révision à apporter, on pense dans 2 ans, on va procéder à une révision, faire des examens de portée, puis on verra ensuite si on module, ajoute, enlève des éléments. Donc, voilà.